Yep, tout le monde, et bienvenue pour du LP. J'espère que vous allez bien tranquillement. On se retrouve sous le LP. Alors, nous avons des nouveaux tips. Ça fait ultra plaisir de voir ça le matin. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, du coup, j'ai eu un autre tips. J'en ai eu deux autres tipsers, plus un autre qu'on avait déjà vu. Et du coup, je vais éditer sa pancarte. Alors, monsieur Baptiste. J'ai ton tips. Alors, du coup, un petit deuxième qui fait plaisir, celui-là est pour les entraînes. D'accord. En tout cas, continue, t'es au top et je te soutiens pour la maladie. J'espère que l'État va s'y mettre aussi. J'espère aussi que l'état de ma santé y mettra. J'ai un peu peur que non. Mais bon, disons que j'ai une très bonne communauté et du coup, ça fait vraiment plaisir d'avoir tout ce qu'il faut. Donc, ça fait quand même très plaisir d'avoir une très grande communauté. Alors, tips, on va le mettre du coup au goût du jour. Hein, donc, 02. 0, 1 et 17. Hop, cette fois-ci c'est le 17. Donc, c'est de Baptiste M. Point. Et du coup, 10 plus 15, 10 plus 5 est égal 15. Donc, merci pour un total de 15 euros. Merci énormément. Ça fait toujours autant plaisir. Alors, je n'ai pas fait les armures hein, parce que je viens juste de me connecter. Je viens juste de me connecter, de crafter à 64K. Dommage qu'il n'y a pas au-dessus des 64K, ça pourrait être tellement pimp. Du coup, nous avons un autre tips également de monsieur. Alors moi, je crois que je le connaissais personnellement sur Bomb Beach ou Clash of Clans, je m'en rappelle plus, quand j'y étais, hein, donc ça date. Bomb Beach, j'y suis encore, mais le clan est full. Tips. Ah bah c'est du 2-01-2017 de monsieur Spipou 95 et merci extrêmement pour ton tip de 25 boules, un quart de sang, c'est magnifique, j'aime bien. Donc merci pour ton tips. Et on va passer maintenant à monsieur, alors j'aime bien ton pseudo, très clairement, j'adore ton pseudo. Alors lui par contre c'était du 3 du 3 comment à 3h du matin. C'est bien vos tips, vous le faites à n'importe quelle heure. Baptiste il a fait à 23h44, Spipou a fait à 15h43 et monsieur qui est le pseudo Major, je l'écris correctement en plus hein. Putain, on dirait le pseudo que je faisais sur Call of il y a longtemps. Et grand merci pour ton énorme tips de 50 boules. Alors 50 boules c'est quand même pas dégueu. Parce que je sais pas si je vais te le mettre en violet ou si je vais te mettre en rose. En orange. Waouh. Pourquoi je vois du rose? Non, non, c'est du orange. Donc je ne sais pas. Je vais peut-être te le mettre en orange. Ouais, ça peut être bien. Je vais peut-être te le mettre en orange. Voyons un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme armure. Ah oui, j'ai aussi mis à jour une extra U, donc du coup j'ai des nouveaux trucs très mignons. D'accord, les blocs sont toujours. JVI est toujours autant bugué, c'est magnifique. Tu lui demandes un craft, il va te mettre toute la panoplie du craft. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, armor. Ah, mais c'est vrai, je peux vous faire aussi des armures de. De Advanced Solar Panel. Oh. Ça peut être bien. Pour les gros tipsers, je fais du coup ça. Pour les petits, par exemple, ici. Et pour les... à partir de 50, pourquoi pas. Ouais, à partir de 50, je pourrais vous faire l'armure en... on va dire en carbone, en fait. C'est pas du carton, c'est du carbone. Après, pour les très 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 gros tipsers, hein, mais vraiment les ultimes qui envoient du 500 boules ou ce genre de choses, pourquoi pas faire une armure ultime, la The Ultimate,
Hein, parce que bon, le craft il est pas chiant du tout, hein. Il faut les guardians. Les guardians, je les ai toujours pas trouvés. Très clairement, je les ai toujours pas trouvés. J'ai généré du terrain, mais je ne sais pas où est-ce qu'il y en a. Voilà. Bon, bah tant pis, hein. Ah, j'en ai 102. Ah ouais, magnifique. Oui, j'ai mis du Flux Point maintenant, donc du coup il envoie du 640 000 RF, donc il descend le truc à une vitesse grand V. D'ailleurs, c'est un bug complètement visuel. En fait, le truc là est complètement visuel parce qu'il te dit qu'il sort que du 380 RF, mais il importe 0 alors qu'il fait jour. Voilà, il fait jour. Il y a le panneau normalement qui fonctionne à merveille, mais il ne fonctionne pas. Bah, il dit qu'il n'y a pas, il y a rien qui rentre. C'est complètement buggé. Du coup, qu'est-ce qu'on en était? Ah oui, on en était au niveau des abeilles. Parce que bon, il faut bien faire les petites abeilles. Il faudrait que je continue le graphite. Ça, il y a des choses à mettre ici. Je les ai toujours pas fait. Ouais, quel boulet. Ah oui, concernant les frises, en fait, c'est pas les tours de méca, parce que les tours de méca, j'avais déjà des frises au début. À mon avis, c'est des spawners qui doivent s'activer à long range. Donc, du coup, ce qui fait qu'en fait, je freeze. Par moment, je freeze complètement. Donc, c'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Ah oui, au fait, il y a les messages des tipsters, j'ai complètement zappé de les dire. Qui est de Spipou? Sipou, plutôt, Spipou. Sipou, bonne année 2017 épée. Un petit quelque chose pour bien commencer l'année. Et petite info, j'adore le cuir rose pour l'armure. Le cuir rose pour l'armure. Ah bah si tu veux, j'ai le pig iron, hein. Mon dieu. Oh, putain que ça a l'air cher. Pig iron. Comment tu le fais, le pig iron? Émeraude, du sang et l'iron. Ok. Ah bah si tu veux, je pourrais te mettre du pig iron. Ça fait très rase. Saturation 1. Oh, c'est pas mal. Équipe full armure. Ah oui, d'accord. Donc bah je te mettrai celle-là, hein. Après, t'as l'armure là qui te donne strength 2. C'est bien les trucs là. Les armures, en fait, finalement, j'en ai quand même pas mal. Ah ouais, sinon l'alimentium aussi qui est pas mal. Bon, c'est Botania, il faut juste le faire. Voilà la nano. Ouais, elle coûte pas si cher que ça. En fait, elle est plus longue qu'autre chose. En fait, elle est juste un peu longue pour ça. Voilà, sinon. Oh putain! The Advent! Oh yeah! Ouais, en fait, pour l'armure, je sais quoi vous mettre finalement. Parce qu'elle est un petit peu plus chère la version. Pas IC2, mais la version là. De Gravis 8, en fait. Elle est un petit peu plus chère. La Ultimate pour faire la Gravis 8. C'est vrai que la Gravis 8, elle peut être très bien aussi, hein. Pour ceux qui la veulent, la Gravis 8, hein, faites des tips au-dessus de 100 euros, je peux vous la faire. Donc voilà. Alors, du coup, j'en étais au point que il faudrait que je termine cette putain de tour. La tour de mécanisme pour faire le réacteur, parce que l'énergie, j'en aurais bien besoin. Mais il faudrait que je fasse 4 autres tours comme ça aussi, un petit peu plus loin, juste derrière. Ça peut être très bien, parce que, en fait, quand on liquide le tout ici. Lui, bah, il produit plus rien, il descend, il descend, il descend. Donc il va falloir que je fasse les choses. Et également, ah oui, tiens, en parlant de ça, pourquoi j'ai plus d'eau ici? Ouais, pourtant je dois avoir de l'eau. À mon avis, les tanks sont buggés. Voilà. Les tanks doivent être buggés. Bon, alors, le problème étant aussi que les fluides tanks ne transfèrent pas assez d'énergie. Je ne sais pas pourquoi ça ne transfère pas assez. Je sais pas s'il y a un petit système. Ah d'accord, en même temps ça sauvegarde les deux sauvegardes.
Vive l'écriture sur le disque. Pour ça que des fois ça lag un peu. Va falloir que je fasse ça. Donc je fais quoi? Est-ce que je fais foresterie? Donc il faudrait que je mette en place tout ça, il me faudrait un champ de blé. Putain, 10 Go de backup. Ouais, il faudrait peut-être que j'en vide un peu. De la wheat. Ah, des sites, j'en ai pas beaucoup. Ben. Alors. Va falloir que je fasse des sites à un moment. Ouais. Il va falloir que je fasse des seeds. Il va falloir que je fasse un champ de blé un jour. On a Agricraft dessus. Ah non, on n'a pas Agricraft. Oh, je pensais que je l'avais. Agricraft, je l'ai pas? Ah bah non, il est pas à jour, Agricraft, je suis con. Dommage, parce qu'il aurait pu faire des belles choses. D'ailleurs, attends, je vais voir un petit peu si Agricraft existe vraiment ou pas. Et je crois pas, hein. Je crois pas que je l'ai vu encore complètement à jour Agricraft. Non, il est toujours dans la version 1.10. Les gens, pourquoi ils ne font pas les versions à jour, quoi? Les mettre vraiment à jour, ça peut être tellement bien. Comme Thermal Expansion. Putain, le mode que j'attends depuis longtemps, il y est toujours pas. Oh là là là. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait Forestry? Mais Forestry, j'ai pas ce qu'il faut, donc du coup, je l'ai un petit peu dans le baba. C'est un petit peu dommage. Donc, du coup, ce que je vais faire. Hop. Voilà. Ça, je vais le mettre de côté. Oh, salut la petite vache. Ah, il faudrait que je la renomme Marguerite. Ça pourrait être tellement bien. Ah, ma cocotte. Bon, oui, toi. Oh, oui. Non, tu t'en fous. Ok. Alors, du coup, bah, on va devoir faire nos petits thermales. Ça peut être pas mal. Thermal. Ouais, on est des fous. C'est quoi ça? Ah, des contrôleurs. Ah oui, ça peut être pas mal. Ça peut être bien de faire des contrôleurs. Et des valves, il va m'en falloir. Allez, 16. Voire même plus, parce que je ne sais pas combien il m'en faut. Alors, il me les a tous pris ici. Là, il est en train de crafter bah, tout ce qu'il faut. Ah, par contre, j'ai peut-être dû en commander un peu trop pour le coffre. Ou peut-être pas assez pour l'extract. Ouais. Speed. Pouf. Allez. Pourquoi il veut pas? Ah, extract. Allez, on extract. Allez, 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 allez. Levez les mains. Non. Oui, plein de carbone. Ouais. Et non, parce que c'est vachement bien le système que j'ai fait. Hein. Bah, il m'a donné un petit peu de fil à retordre, hein, le pépère, parce que. Comment? Il était assez chiant quand même. Du fait que le. Comment? Certains crafts se mélangeaient. D'accord, la loi de travail vous permet le droit de vous déconnecter. D'accord, en plein boulot, si tu veux dire non, je me déconnecte. Ok. En fait, déconnecter, ça veut dire vraiment dormir, en clair. C'est une loi, d'accord, très bien. La loi vient de dire que si tu vas au boulot, tu peux dormir. En même temps, ça fait comme les Japonais, hein, d'ailleurs. Ils dorment un petit peu, c'est leur quart d'heure de sommeil, je crois. Et que, au bout d'un quart d'heure, ils se réveillent, ils sont en pleine forme. Les micro-siestes, en fait, ça fait ça, hein. C'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Dragon. Ah oui, eh oui, tiens, en fait, on m'a parlé de ça. En fait, il faut le mettre sur la montagne. Ça a plus de chances de faire boum dessus. Donc, je raserai une partie de la montagne et je mettrai tout ce qu'il faut. Parce que c'est vrai qu'en fait, en bas, bah, c'est bon pour le produire, sachant qu'il y a une montagne à côté. Je sais pas si c'est pris en compte. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est plutôt cool. Et également, bon, j'ai pas fait tous les chemins. Ouais, parce que en fait, j'ai fait une aussi comment une version solo du parcours de l'infini et l'au-delà.
la Pacadice qui est là dans le coin. J'avais fait un petit peu le tour et vu que j'ai remis le système à zéro, en fait le level type, je l'ai plus mis en RTG, je l'ai mis en défaut pour essayer de trouver des gardiennes, j'en ai toujours pas trouvé. J'ai dû faire 5000 blocs de tous les côtés et j'en ai pas du tout trouvé. C'est un petit peu dommage. Pas, il a pas envie de les prendre. Ça va plutôt vite, hein. Je suis quand même content que ça va vite. Voilà, il les fait tranquillement. Ouais, c'est pas du multitâche, donc je pense pas que lui il veuille. Ouais, sachant qu'il a besoin de crafter un truc, mais il y a déjà quelque chose en cours. Quoique, c'est du... Ah bah oui, c'est du steel dust, donc du coup, c'est... C'est ça. Donc il attend en fait les crafts. Bah ça va, ça va plutôt... Ça va quand même plutôt vite, hein. Bon, j'en ai commandé 1000. Certes, mais bon, c'est une question d'habitude. Donc, bah du coup, je vais en faire 4. Je sais pas au niveau de l'eau comment je peux faire pour qu'il y en ait beaucoup d'un coup. C'est vrai que par ça, ça pourrait être pas mal. Le dimensional transceiver, lol, de l'eau. Ouais. C'est vrai que transition par l'eau, ça peut être pas mal. Bon, ça ferait un petit peu cher. Mais en même temps, on pourrait envoyer du fluide. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Après, il y a des fluides gate de draconique, les nouvelles. Il n'y a pas de craft encore, mais... Ah oui, la version... J'envoie. Ça, c'est... Ah, ça, c'est pas mal aussi. Je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme comme tu, parce qu'en fait ça envoie pas beaucoup. Max entrant, oh, ça fait quand même un saut par tick, hein. C'est quand même pas dégueu. Ah les fluides pipe d'immersive, c'est vrai que ça peut être bien, sachant qu'ils envoient des sauts à la seconde. Faudrait tester, tiens. Et au pire, hein, il y a la version, là, de Refined Storage. Bon, par contre, elle serait un petit peu chiante à faire, par contre. Ouais, quoique, elle serait pas si chiante à faire. Hein. Du Quartz Refined, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, en fait. Ah, c'est, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait, les gens? Est-ce qu'on fait la version disque? Ça coûte cher. Enfin, ça coûte pas cher, mais. Ah, si, ça c'est chiant par contre. Ça c'est un petit peu chiant. Connecter le câble. Ouais, si. Ouais, je sais pas. Franchement, je ne sais pas encore qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui voudrait pas. Elle suit pour description. Portal tank, ouais. Ouais, franchement, je n'en sais rien. Fluide interface. Fluide interface. Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait être bien? D'accord, ça c'est une version fluide. Ok. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour faire un système d'eau? Je vais essayer la fluid gate de immersive. Peut-être qu'elle, ça va aller vite. De toute façon, au pire, on a juste à tester, hein, on ira plus vite. Hein. Puis en plus, c'est pas comme si elle est faite par 8. Ma Builder Wand. Builder Wand. Voilà. Hop, je vais laisser un petit truc comme ça. Je vais péter ce qu'il faut. Alors, je sais pas pourquoi ça frise aussi quand je pète des feuilles. C'est complètement con, hein, parce que c'est juste une feuille.
Mais le truc, il me détecte comme quoi je pète un truc très méchant. C'est un petit peu chelou. Un petit peu. Si, hey, c'est franchement, c'est très chelou. Comment je vous dirais-je aussi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une petite ellipse pour histoire de compléter tout ça? Je le fais avec vous. Après, j'ai bien envie de le faire avec vous pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein. C'est pas pour une graine que ça va changer les choses d'ailleurs. Hop. Alors, thermal. Oh, je vais le faire avec vous, comme ça vous avez un petit épisode tranquillement. Un petit. Il sera quand même peut-être un peu long, mais. Ah. Par contre, mes valves, tu les as pas fait. Je suis à 9 FPS ici. Ok. Je sais pas pourquoi des fois il est à 9. Alors, je suis à 9. Pourquoi je suis à 9? Je sais pas pourquoi je suis à... Ah merde, c'est de l'osmium. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Il a fini, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai des. À mon avis, les frises viennent des blocs thermales là, en fait. C'est chelou. Tourne pas à fond ici. Elle met à 8. Je vais mettre en fast aussi parce que ça change tellement rien du tout, mais c'est pas grave. Pouf, pouf, pouf. Alors, y a du thermal qui va se mettre. Faudrait que je mette de la dirt ici. 31,4 dirt, ça va, c'est plutôt raisonnable, hein. Ah, je suis déjà à fond. Ah, bien. Thermal, thermal. Ouais, en fait, c'est vraiment les thermales qui font laguer. Donc, s'ils font autant laguer que ça, à un moment, je les déplacerai. Parce que j'ai pas envie que ça me fasse laguer constamment. Parce que là, je suis à 24, quoi. Je regarde par là-bas. Je suis à 48, 50. Je regarde par là. Je descends. Ouais, c'est assez chelou quand même. Hein. Sachant que je vais mettre le truc là, faudrait que je mette le contrôleur ici. Hop. Incomplète, ouais, forcément. Ouais, si ça me fait trop laguer, j'irai le mettre dans une dimension RF Tools. Parce que vu comme c'est parti, ça va être très très chiant. Alors ici, une évaporation. Ici également. Donc en fait, des valves, il va m'en falloir un petit peu plus. Ouais. C'est un peu chiant quand on les pose, hein. Les frames descendent quand même plus qu'à 8, hein, donc c'est assez violent. Ouais. C'est toi qui as pondu ça?
Ah non, c'est peut-être le. Ah ouais, c'est l'auto-refill en fait. Ok, je déteste ce mode. L'auto-refill, c'est un mode que je déteste. Donc, bah voilà, lui est tranquille. Je vais faire la building jusqu'en haut. Ouais, il n'y a même pas les blocs qui s'affichent convenablement en fait, hein. Voilà. Ça va la hauteur? Ouais, je pense que ça ira. Et une tour de plus. Voilà. Et ben voilà, après on va foutre nos petits solars. Hein. 4 et 4, 8. 4 et 4, 8. Ouais, c'est ça. On va demander les 8. Hein. Bon. Ah, en même temps, je suis en train de construire ça, mais j'ai l'impression quand même de pas mal laguer avec ça. Donc, je vais les mettre en place. Si ça fait vraiment trop laguer, je les déplacerai vraiment dans une dimension RF Tools pour éventuellement que ça me fasse plus laguer. Comme ça, je mettrai. Bah, j'essaierai de faire une dimension flat des RF Tools, ça peut être pas mal. Une petite dimension flat, et du coup, d'ailleurs, est-ce qu'il y a la flat? Dimension flat. Void flat. Et en plus, on peut la faire. C'est ça que j'aime bien. Bah, c'est pratique. On pourra faire une dimension flat. Quitte qu'à ce que ça soit. Que ça soit directement du void, en fait, ça serait pas plus mal. Sachant que on mettrait en fait les trucs dessus. Faudrait juste un Eternal Day. Et puis, ça serait une puissance magnifique. Bon, bien sûr, la puissance, faudrait peut-être qu'elle fonctionne, mais. Parce que là, en fait, je suis à 12 FPS quand même. Hein. C'est assez violent. Bon, oui, ça peut venir de. Justement, du. Voilà. Pourquoi j'ai. Ah oui, j'allais me dire. Pourquoi j'en ai que 3? Voilà. Et là, je suis revenu à 72. C'est un petit peu chelou quand même. 21, 39, 72. Ouais, je déplacerai les cocos quand même parce que j'ai un petit peu peur. J'ai pas envie qu'en fait la série dise fuck it à cause de ça. Et est-ce que ça va dedans? J'ai l'impression que oui, parce que ça se fusionne. Donc ça, déjà, c'est un très bon point. Je pourrais faire un petit tunnel en dessous, tiens, d'ailleurs. Oh, ouais, non, mais quand je pète un bloc, ça lag à ce point, c'est... C'est un petit peu buggé. Ouais. Je suis un peu déçu que ça lag à ce point. Quand je pose un bloc. Même quand je pose un bloc, ça lag. C'est n'importe quoi. En plus, ça le faisait pas. Hein. Peut-être en le rebootant, le serveur. Vous voyez les drops de frames que je me fais? C'est complètement chelou. Je sais pas pourquoi ça le fait.
C'est buggé. J'ai l'impression que c'est vraiment très buggé. Ça a pas l'air de se connecter déjà. Ah. Ouais. Donc bah les fluid gates non. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme fluide qui fonctionne de préférence? Ça m'arrangerait de éviter les problèmes éventuels. Je suis à 14 FPS, c'est quoi cette merde? Ah, les modpacks. J'ai pas envie de passer par des fluides interface. Fluide hopper. Lol. Bon, bah je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais utiliser comme fluide. Comme ça, dans le prochain épisode, je saurai quoi faire. Parce que alors là, je suis complètement perdu. De chez perdu. P2P fluide. Attends, t'as foutu du fluide? Exporteur. Oh. Apply, t'as foutu un genre de fluide? Je sais que je l'ai mis à jour, mais je l'aurais peut-être vu déjà. Non? Non, je l'aurais peut-être pas vu. Peut-être possible que je l'aurais pas vu, hein. Mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même un genre de fluide. C'est de l'eau quand même, c'est. Ouais, c'est chelou quel P2P. P2P. Item, fluide, EU. ME. Bon, il n'y a pas le RF. Redstone. Fluide. Ah, il y a peut-être possibilité de passer par le fluide du coup. Ah, ça peut être pas mal. Ouais, faudrait que je teste ça. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais laisser ça comme ça. Hein, je vais me casser de la zone qui lagouille. Revenir dans ma petite zone tranquillement. Hop, on est parfait ici, on a du 60. Donc voilà. Ouais, c'est un petit peu chelou du pourquoi ça. Ça fait ce genre de choses. Je suis un petit peu déçu. Je vais tester le P2P. Le P2P version fluide. Je vais le tester en mode YOLO, voir si ça marche réellement. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'attendrai quand même vos commentaires pour continuer un petit peu l'aventure. Voilà, sur ce, bisous tout le monde, et c'était Épée, bisous, à la prochaine. N'hésitez pas de liker, de tips, si vous voulez venir dans la petite un bol ici. Voir s'il y a beaucoup de tipseurs, hein, je ferai une autre maison, une grande maison. Voilà, allez, sur ce, bisous tout le monde, c'était Épée, à la prochaine, ciao!